Dans notre précédente cassette Reine le Château, le grand mystère, nous avons essayé de cerner la Bessonnière, qui a marqué de son empreinte profonde, de façon étrange, son église, et puis le site dans Reine le Château, et qui contient des éléments étranges aussi, mais qui s'embrouillent. L'énigme persiste. Mais je crois qu'il y a un fil conducteur. Un fil conducteur que nous avons suivi tant bien que mal dans ses méandres. Et cela évoque un message. Un message lié à une connaissance autre, celle d'un autre savoir, qui va bien nous falloir dévoiler peu à peu. Et cela risque de perturber nos assises. Cette connaissance autre, cette connaissance nouvelle, risque aussi de bouleverser l'Occident. Béranger Saunière n'a pas agi seul. Les documents secrets, énigmatiques qu'il a trouvés, il les a confiés à son ami Gélis, entre autres, qui était le curé de Custoza, pour les lui faire traduire. Mais d'autres prélats surgissent dans l'aventure de Saunière qui tirent les ficelles. Il y a Monseigneur Billard, l'évêque de Carcassonne. Il y a aussi l'abbé Boudet, l'auteur de ce livre, La langue celtique retrouvée et le cromlech de Rennes-les-Bains. Boudet, c'est un homme mystérieux qui a une immense fortune et qui va donner de l'argent à la Bessonnière. Au premier degré, ce livre est une étude sur l'origine de l'anglais. Anglais ancien qui est en fait le moderne d'après ce livre, qui est fantaisiste, mais qui n'est pas délirant, car il est un rébus. Il contient un message lui-même, un message codé. Alors, c'est pourquoi ce message codé, aujourd'hui, nous intéresse, nous, hommes du XXe siècle, car il est étalé dans le temps. Ce message codé, il attire des curieux dans cette magnifique région de Rennes-le-Château. Il attire des chercheurs. Il attire des gens qui sont uniquement intéressés à gratouiller le sol dans l'espoir d'y trouver des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas au moins, ce n'est pas que cela. Nous avons établi pour le tournage de cette cassette notre QG à l'hostellerie de Couisat, qui est ce magnifique château des Ducs de Joyeuse, où nous avons rencontré sa directrice, une charmante jeune femme, qui, elle, va nous révéler certaines choses. Alors ce château, effectivement, qui est magnifique parce qu'il a un aspect extérieur médiéval, très, très, très austère, c'est une bâtisse de défense. Et dès que l'on pénètre à l'intérieur, il est Renaissance, et il est très chaleureux. Il a une façade Renaissance absolument superbe. Au plan touristique, le pays, ce n'est pas uniquement Rennes-le-Château. Il y a quantité de choses. Mais ça exerce une fascination. Oui, il faut dire que le département de l'Aude est un département très riche et très diversifié. Les touristes y viennent parce qu'ils sont attirés par les châteaux cathares. Ils sont également attirés par les grottes, par les abbayes romanes, et bien sûr par tout le côté mystérieux de la région, puisque nous avons quand même Rennes-le-Château qui est à 2 km, à vol d'oiseau beaucoup moins, et qui attire une foule de visiteurs qui se posent des questions effectivement sur le mystérieux abbé Béranger Saunière. Et c'est étonnant de voir d'ailleurs que souvent les étrangers sont beaucoup plus au courant de l'existence et du mystère qu'il y a autour de Rennes-le-Château
que les propres touristes français. Il n'y a pas que le français, l'américain, l'allemand moyen, mais il y a aussi des gens importants. Ah oui, on a eu la chance de voir passer des personnalités. Entre autres, dans les années 80, nous avons eu le président François Mitterrand. Et puis aussi bon nombre de personnalités du show business, du cinéma, et également des équipes de télévision, puisqu'il y a pas mal de films qui se sont tournés dans la région. Vous avez reçu aussi des chercheurs, à l'évidence, leur comportement est discret, mais ils se montrent un peu indiscrets, ils posent des questions, etc. Ah oui, oui, c'est vrai. On reçoit des gens qui viennent séjourner deux ou trois jours, et des fois une semaine, et qui partent le matin, qui vont à Rennes-le-Château et qui rentrent le soir. Alors, on a reçu comme ça des personnes qui avaient une bibliographie très importante et qui venaient pour sûrement sur Rennes-le-Château. Les gens ne nous disent pas toujours où ils vont, mais c'est vrai que la plupart des gens qui résident ici, qui sont seuls, viennent en général plus ou moins pour une, je veux dire, ou alors pour une activité de travail. Ou alors s'ils sont effectivement armés de caméras ou de... On voit aussi des gens qui ont des poêles à frire. Poêle à frire, vous l'avez compris, ce n'est pas un ustensile de cuisine, c'est un détecteur de métaux. Parce que évidemment, de nombreuses personnes viennent là chercher, fouiller, etc. C'est gênant, c'est grave aussi, mais ce qui est grave aussi, et surtout, ce sont les déprédations, ces vandales qui ont récemment détruit l'œil. L'un des yeux du diable, entre guillemets, ça n'est pas le diable, c'est un pseudo-diable, c'est Asmodée, c'est autre chose, qui soutient le bénitier de l'Église. Et ça, c'est impardonnable. Les gens sont attirés par l'or, l'or du diable. Ils sont attirés par des richesses cachées. Ce n'est pas que ça, ce n'est pas que le trésor du temple de Salomon, puisque c'est de cela dont on peut penser qu'il s'agit. Il y a autre chose. Et Sonia Moreux, qui est la charmante libraire de Rennes-le-Château, va nous parler un peu de cette fascination qui attire des chercheurs, qui tous ne sont pas désintéressés. Peut-être parce que j'ai une librairie, j'attire 70% de gens qui ont une quête plus spirituelle ou de recherche qu'une quête matérielle. C'est vrai que je n'affiche pas de détecteur ou de boussole et de cartes comme ça. Sonia, parmi les, je crois qu'on peut dire au moins une bonne centaine d'ouvrages qui ont été consacrés à Neuchâteau, et vous en avez au moins, je ne sais pas, plus de la moitié ici. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée du fond, non pas de chacun de ces ouvrages, mais l'orientation? Bon, on a parlé de trésors, espèces trouvantes, trébuchantes, etc. Il y a peut-être autre chose. Faites-nous un petit panorama. Bien, les premiers livres qui ont été écrits sur Rennes-le-Château, en effet, tout en se penchant sur le passé historique de Rennes-le-Château, nous a mené vers... une recherche d'un trésor bien matériel dans des faits historiques. Et puis, petit à petit, dans cette recherche historique de l'histoire de Rennes-le-Château, on s'est rendu compte qu'il était remis en question des points de l'histoire où l'Église, le spirituel, a pris une importance. Et de plus en plus, nous avons des livres qui partent un peu dans tous les côtés et qui ne sont pas... toujours très crédible, mais dont il émane toujours une quête. Une grande majorité d'ouvrages affirment que les énigmatiques constructions de la Bessonnière et les autres jalons laissés par les abbés Gélis et Boudet constituent un plan codé. La forme des bâtiments, leur emplacement et surtout l'étrange décoration de l'église. Tout cela serait des cartes ou des messages qui indiqueraient l'endroit où est enfoui un fabuleux trésor, celui du temple de Salomon. Rune Futhark a publié chez De Vecchi ce livre sur la Kabbale et son interprétation. Rune Futhark, qui est-ce? C'est
André Lescossois. André Lescossois qui est un passionné, non seulement de cabale, mais de cabale phonétique. Et à travers la cabale phonétique, il va nous parler de certaines anomalies, de certaines étrangetés qu'il a relevées dans l'église de Rennes-le-Château, car c'est un passionné, lui aussi, bien sûr, de Rennes-le-Château et de ses énigmes. Nous sommes à Rennes-le-Château sur le chemin de ronde du domaine de la Bessonnière. Vous nous accueillez aimablement, M. Henri Bution. Il semble toujours extraordinaire que quelqu'un fasse des découvertes, mais il y a tellement d'arbres qui cachent la forêt. Moi, je suis entré 50 fois dans cette église. Il y a des choses qui m'ont totalement échappé. Il semble que, là ou ailleurs, tu aies fait des découvertes. Peux-tu nous en parler ? Tout à fait. Il y a en effet énormément de découvertes qui ont été faites. Toutes se rejoignent, en fait. Hein. Je dirais que c'est un peu de multiples racines qui nourrissent le même tronc. Et chacun peut, en fait, découvrir sur le site même de Rennes-le-Château ce qu'on a envie d'y découvrir. Ceci dit, il y a aussi des choses tellement à la vue de tout le monde que justement, personne ne les voit. Là, c'est véritablement l'arbre qui cache la forêt. Et ça, c'est tout à fait du style d'ailleurs de Boudet, Saunière et Gélis, où il est quand même recommandé en général dans les textes religieux, les textes bibliques, il est dit fréquemment « qui a des yeux voit et qui a des oreilles entende ». Alors parmi les jalons que les prêtres ont bien voulu nous laisser, il y en a un qui est quand même assez extraordinaire, c'est la statue de saint Antoine de Padoue, où l'on voit saint Antoine porté par quatre anges, les quatre frères zélés, symbole là aussi éminent de la Rose-Croix. Et l'un de ces quatre anges, celui qui se trouve justement derrière la statue, est véritablement caché aux yeux du public qui pourrait regarder cette statue. Or, lorsqu'on examine particulièrement bien ces quatre anges, on se rend compte que les trois anges visibles ont exactement la même tenue, la même forme et surtout le même port de tête. Ils regardent tous les trois en face d'eux. Or, le plus étrange, c'est que le quatrième ange, celui qui est donc caché, a lui la tête tournée de biais, il regarde quelque chose et en plus il a un genou dénudé. Là, évidemment, les symboles sont importants. Un genou découvert, aujourd'hui, dans certaines sociétés initiatiques, le récipiendaire, à un certain degré, a le genou découvert parce qu'il est considéré comme non pas ignorant, mais relativement profane et qui va recevoir un enseignement. Voilà, exactement. Et là, on est d'autant plus conforté dans notre recherche, c'est que, étymologiquement, enseignement signifie être dans les signes. À nous de décrypter les messages codés. Alors, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que ce ne sont pas des découvertes qui permettent tout de suite d'aller vers un trésor tant philosophique que matériel, ce sont simplement des jalons qui sont véritablement des indices et qui permettent de relancer l'affaire, surtout qui nous indiquent qu'on est sur la bonne voie. Là, ce coup-ci, enfin, on est sur la bonne voie. Une chose qui saute aux yeux directement, c'est quand on arrive dans l'église de Rennes-le-Château, c'est le fameux diable qui soutient le bénitier. Et que tout le monde, depuis Béranger Saunière, et certainement à cause de lui, s'est efforcé à nous le faire passer comme étant Asmodée. Et en réalité, on se rend compte, en regardant le dictionnaire de la démonologie, que ce diable-là, sa physionomie ne correspond pas du tout à Asmodée, mais à un diable qui s'appelle Eurynome. Or, en cabale phonétique française, Eurynome, ça donne Heure, il nomme. Et c'est un jalon supplémentaire qui nous amène directement sur la tour Magdala, puisqu'on sait, là, les documents et les premiers devis des entrepreneurs contactés par Béranger Saunière le prouvent. Béranger Saunière avait l'intention de nommer la tour Magdala la tour de l'horloge. Et là, toujours en cabale phonétique française, l'horloge, ça veut dire ici l'horloge. Il est intéressant de noter que la petite tour accolée comme une échauguette à la tour Magdala comporte 12 créneaux, comme les 12 heures d'une horloge. Ce codage kabbalistique, a une signification. Et nous allons rendre visite à mon vieil ami Guy Tarrad, qui est un auteur de nombreux ouvrages et qui fait des conférences un peu partout, qui est un grand voyageur et un passionné d'étranges et de mystères. Guy Tarrad, tu viens de publier aux Presses de la Cité
Le dernier secret de Nostradamus, avec la collaboration de Alexandra Schreier, qui elle est astrologue. Elle est astrologue, mais c'est aussi une professeure d'histoire-géographie et une ethnologue, ce qu'il ne faut pas oublier. Comme quoi l'ethnologie et l'histoire peuvent mener à l'astrologie par des voies détournées. Tu n'es pas étrangère à Neuchâtel. Tu t'es aussi, et c'est, ça paraît normal, penché sur cette énigme à multiples facettes. Oui, je me suis penché sur l'énigme de Rennes-le-Château, comme tous ceux qui cherchent dans le domaine du mystérieux inconnu. Et j'ai été frappé à Rennes-le-Château, où j'ai tourné un film, où j'ai monté un diaporama. J'ai été frappé par la décoration de cette église Marie-Madeleine, cette église qui ressemble beaucoup, je dirais, dans son décorum, aux chapelles peintes que nous retrouvons en Provence et qui nous ont été léguées par l'ordre des Antonins. On a l'impression que toute la décoration de l'église de Rennes-le-Château n'intéresse pas un trésor matériel, mais beaucoup plus, quelque chose de beaucoup plus subtil, c'est-à-dire une connaissance totalement disparue aujourd'hui sur l'alchimie. Quand on rentre dans cette église, différents éléments nous amènent sur une piste, et nous recoupons toujours cette piste qui est celle des Antonins, cet ordre d'hospitalier qui est arrivé en France en 1090 et qui avait derrière lui un savoir et une connaissance hérité de l'ancienne Égypte. Sur le mont Fleury, sur la montagne des Béatitudes qui se trouve dans le fond de l'église, on découvre un personnage qui est torse nu et qui s'appuie sur une béquille. Or, le symbole de la béquille, ce symbole du taux, c'est un symbole qui nous est familier parce que lorsque nous avons fait nos enquêtes sur toutes les anciennes chapelles des Antonins dans notre région, notamment dans les Alpes-Maritimes et en Provence, nous retrouvons toujours ce symbole qui revient comme un leitmotiv. Le taux, c'est le symbole de la connaissance parfaite et il est toujours dissimulé dans les peintures alchimiques que nous ont léguées les Antonins, parce que les Antonins étaient des alchimistes, comme la preuve de leur savoir et la preuve de leur connaissance. Et alors, à Rennes-le-Château, est-ce qu'on peut là aussi parler d'un codage alchimique ? Et bien sûr, il y a un codage alchimique à Rennes-le-Château. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut revoir totalement cette église. Quand on rentre, nous avons Asmodée, le gardien des trésors du temple de Salomon, moi je veux bien, qui représente le diable, et juste au-dessus de lui, il y a ces quatre personnages, avec la citation qui est en dessous, par ce signe, tu le vaincras. Or, dans l'iconographie chrétienne, le seul saint que nous connaissions, qui a véritablement été tenté et qui a fait la joie de tous les peintres, et là je pense à Jérôme Bosch, eh bien c'est saint Antoine, la tentation de saint Antoine. Il y a un saint Antoine ermite à l'intérieur de l'église de Rennes-le-Château. Et à Rennes-le-Château, moi je pense que tout a été crypté. Comme l'alchimie avait deux possibilités, deux voies, ça a été une double voie. Il y avait le piège, c'est-à-dire l'or et la transmutation des métaux, qui permettait une première sélection naturelle. Toutes les personnes intéressées par cet aspect matériel de la chose s'orientaient évidemment vers ce côté-là, mais il y avait l'autre côté, l'alchimie spirituelle, qui amenait là des personnes qui faisaient des recherches, je dirais, désintéressées, en tout cas sur le plan matériel. Or, l'histoire de Rennes-le-Château est exactement basée sur les mêmes conditions, c'est-à-dire il y a une histoire de trésor en monnaie sonnante et trébuchante, et il y a aussi une histoire spirituelle qui, elle, est nettement plus importante. Et je dirais que l'affaire de l'or de Rennes-le-Château cache l'autre histoire qui est bien plus terrible et en même temps tellement plus importante pour l'histoire de l'humanité dans sa globalité. Au château des Ducs de Joyeuse, nous allons rencontrer Jean Blum, que nous avions déjà présenté dans ces deux cassettes sur Rennes et sur les cathares. Jean Blum va nous d'exposer certaines de ces vues qui nous paraissent pertinentes sur cet autre savoir. Car il n'y a pas, je le répète, que l'or à Rennes-le-Château. Il y a autre chose. Jean Blum, tu es en train d'écrire un ouvrage consacré à Rennes-le-Château, oui, qui paraîtra en mai 1994. Et j'aimerais que tu nous résumes ton ouvrage, mais les recherches que tu as faites t'ont amené à
faire certaines découvertes, à approcher, disons, d'une certaine ligne qui n'est pas conventionnelle. J'ai un petit peu pris le contre-pied de ce que faisaient beaucoup d'auteurs. Par exemple, la plupart des auteurs considèrent que l'abbé Saunière, l'abbé Boudet, peut-être d'autres encore, ont laissé sur le terrain des signes de piste, l'église, le cromlech, des signes de piste supposés conduire le chercheur à la découverte d'un prestigieux secret. Et là, je m'interroge tout simplement avec la psychologie d'un enfant de 10 ans. Jimmy, tu es curé de Rennes-le-Château pour 5 minutes. Tu découvres... Ça te pèserait. Tu découvres un extraordinaire trésor. Tu ne veux pas le laisser tomber dans l'oubli. Que vas-tu faire? Vas-tu en référer au pape en tant que bon prêtre catholique, au grand rabbin de France si tu considères que ces trésors sont les trésors du temple de Salomon, voire au notonnier de tel ou tel ordre ésotérique auquel tu appartiendrais, ou bien vas-tu t'ingénier à mettre des rébus, des signes de piste, pour que le plus malin, dans l'une ou l'autre acception, le plus dégourdi ou le plus satanique, aille t'emprunter ton trésor de ton vivant. C'est complètement farfelu. Bah, oui. C'est complètement farfelu. Et je crois que tout le monde se laisse aller à tomber dans ce piège. Il s'agit d'interpréter ces signes de piste pour comprendre. Ça me paraît absurde. Par contre, il y a des signes de piste. C'est vrai que tout le monde, qu'un certain nombre de personnes s'ingénient à faire disparaître. Par exemple, Rédé, tout le monde le savait il y a un siècle et maintenant on enfin d'en douter, Rédé, ça date des Visigoths. C'est une grande citadelle visigothe, 4e siècle. Qu'étaient les Visigoths? Des arianistes qui étaient demeurés fidèles au premier concept du christianisme, mais qui avaient refusé les falsifications, je n'ai pas peur devant le mot, du concile de Nicée. Jésus, fils unique de Dieu, il naît à Nicée en 325, il n'est pas au premier temps de l'ère chrétienne. Ça, la rédée visigothique qui tendrait à accréditer la thèse que la fortune de Saunière puisse être liée à des connaissances ayant trait au premier temps du christianisme, c'est gommé. S'il n'y a pas à proprement parler de message codé aboutissant à un trésor matériel, il y a immanquablement des messages codés, bien sûr, qui aboutissent à un autre savoir qui serait de nature spirituelle. Je le crois volontiers. Et j'en veux pour preuve un homme extraordinaire qui habite à Rennes-le-Château, qui a son atelier et qui est Alain Ferral. Alain Ferral, outre la réalisation de nombreuses œuvres artistiques sur Rennes, a étudié l'église de Rennes-le-Château. Son étude est concrétisée en trois dimensions, dans une maquette articulée. C'est fantastique, et c'est là que le fantastique a des chances d'être vrai. Cette maquette, dont on peut dire qu'elle est très jolie, etc., mais elle est plus que jolie, elle est fascinante, et vous allez nous expliquer pourquoi. C'est l'église de Rennes-le-Château, ou ce sont les églises? Voilà, le problème devant lequel je me suis retrouvé au départ, c'était, je me suis posé la question, si jamais l'abbé Saunière a reconstruit toute une église, c'était quand même un prêtre, il y a bien d'anciennes pièces qui étaient dans cette église avant qu'il ne la restaure, qui ont été quelque part. Et voilà ce dont nous nous sommes aperçus. Ici, c'était une place de village. L'abbé Saunière a décidé d'en faire un jardin. Si on relève bien, au centimètre près, tous les plans d'architecture de ce jardin, on s'aperçoit, en suivant les murets, que l'abbé Saunière a construit, inséré contre l'église qu'il allait restaurer, et je dis bien au centimètre près, exactement le plan d'une seconde église à coller. Mais en plein air. Et en plein air. Alors, non seulement en plein air, mais lorsqu'on regarde après les détails, l'abbé Saunière a mis ici un pilier qui était l'ancien pilier de son hôtel. Il y a fait graver pénitence et il l'a mis exactement en front de l'endroit où, 5 ans plus tard, il va installer son confessionnal où on fait pénitence. La dalle des chevaliers qu'il installe dans son jardin au pied du calvaire, il l'avait trouvée à cet emplacement au centre du cœur où il installera l'autel. Et l'autel, si on regarde bien, et là vous allez me permettre de retourner très rapidement la maquette, à la place de l'autel, il avait installé ici, toujours 5 ans avant,
le calvaire. Donc une seconde église avec les pièces principales et l'emplacement de ces pièces figurait dans la nouvelle. Il avait installé toutes ces anciennes pièces dans ce qu'on pourrait appeler le plan d'une église en plein air. C'est une véritable réplique. C'est une véritable réplique. Et je vous dis vraiment au centimètre près. Qu'avait voulu faire la Bessonnière ? On va aller plus loin. Ce pilier qui représente une croix et l'alpha et l'oméga, qui sont les symboles du Christ, pour un curé, c'est tout de même assez curieux, il le met à l'envers. Il le retourne. On suit exactement la nef de cette église extérieure. Nous arrivons à la dalle des chevaliers. Il l'avait trouvée face contre le ciel. Il va la mettre ici, face au ciel, à l'envers. Ce qui fait que d'ailleurs le musée lapidaire de Carcassonne la gardera pendant 20 ans pour la protéger. Ensuite, nous regardons le calvaire qu'il met exactement à la place de l'autel. Si nous regardons l'autel, nous nous apercevons que l'autel est surmonté d'un dôme qui lui-même est orné de quatre tours, et sous ces quatre tours, nous trouvons la croix de l'autel. Or, qu'a fait la Bessonnière dans l'église extérieure de son jardin ? Il a construit la croix sur un socle, et aux surprises, ce socle est sculpté à chaque angle d'une tour, quatre tours. La croix ici est sur quatre tours, la croix dans l'église est sous quatre tours. Toujours cette réplique. Voilà, toujours même réplique, mais dont chaque pièce a été placée à l'envers. Église encastrée, exactement le même plan, au centimètre près, mais chaque pièce a été placée à l'envers. Une autre église, cela signifierait que la Bessonnière a découvert une autre vérité chez l'église. Une autre vérité qui intéresse fatalement le Christ. Et il semblerait bien que le Christ a pu avoir une autre histoire qui a été voilée. Un chercheur qui a tenu à garder l'anonymat, nous l'avons donc baptisé en latin Nemo, personne, ce chercheur nous a confié que presque toute l'église de Rennes était contenue dans la station 1 de l'église. Que voyons-nous ? Le Christ, bien sûr, mais surtout un voile que l'on lève et légèrement caché apparaît une tour. Cette tour a sûrement son importance. Alain Ferrand nous parle de l'importance justement des tours dans les constructions de la Bessonnière. Maintenant, nous allons suivre la Bessonnière jusqu'à l'endroit où peut-être il voulait nous mener, l'autel. Le calvaire mis à la place de l'autel dans cette église extérieure. Le pilier mis à la place du confessionnal, toujours dans cette église extérieure, et le confessionnal de cette église intérieure, se retrouvent aux quatre angles d'un carré parfait. Si ce carré parfait était un jeu d'échecs, chacune de ces quatre pièces serait à la place d'une tour. Or, nous regardons maintenant, je redéveloppe de nouveau l'église, nous allons nous apercevoir que chacune de ces pièces, le calvaire a sur son socle les quatre tours d'un jeu d'échecs. Il se trouve à la place d'une tour. Le pilier a comme dôme un petit dôme avec quatre tours. Il se trouve à la place d'une tour sur un jeu d'échecs. L'autel se retrouve avec un dôme où il y a quatre tours au-dessus de la croix, à la place d'une tour du jeu d'échecs. Et la quatrième tour du jeu d'échecs, le confessionnal, qui lui-même est crénelé comme une tour d'échecs. Et ces quatre pièces se retrouvent aux quatre angles parfaitement de ce qui pourrait être, et je dis bien de ce qui pourrait être, un jeu d'échecs. Est-ce que vous avez vu le domaine de la Bessonnière ? Le domaine de la Bessonnière est un carré parfait de 32 mètres de côté. Nous allons aller plus loin. Vous avez deux feuillets ici, qui sont les deux feuillets représentant les plans des deux tours qui sont dans le parc de la Bessonnière. Une tour, celle de gauche, qui s'appelle la tour Magdala, est une tour en pierre, close et fermée sans lumière. Elle a au sol un jeu d'échecs. Son dallage comporte 64 cases, 64 fois le même motif, c'est un jeu d'échecs parfait. Et si nous montons en haut de la tour Magdala, nous avons une petite échauguette, une petite tourelle, qui fait 22 marches
et qui monte en l'air. Elle est à l'angle du parc qui, sur un jeu d'échecs, serait la place d'une tour. En face de l'autre côté, puisque nous allons aller dans les doubles à l'endroit et à l'envers, nous avons une autre tour. Elle est en vert. Elle est en pleine lumière. Elle a, elle aussi, un jeu d'échecs comme dallage. Et elle aussi, elle a une petite tourelle de 22 marches aussi, mais qui descendent sous terre. Vous avez donc dans le domaine de la Bessonnière, qui est construit comme un jeu d'échecs, une tour à la place de la tour d'un jeu d'échecs qui est à l'endroit, fermée en pierre, et une tour en verre qui, elle, est à l'envers. Chez la Bessonnière, il y a toujours un principe qui est très très curieux, c'est il y a toujours un double dont l'un est à l'endroit et l'autre est à l'envers. Nous avons vu que les tours sont omniprésentes dans le domaine de Sonnières. La présence d'une tour dans la station 1 signale donc son importance. Or, en plus de la tour, on note un voile qui s'élève. S'agirait-il d'une indication sur une autre façon de voir le Christ ? Lorsque Sonnières est près de sa mort, il est frappé d'une congestion cérébrale ou d'une crise cardiaque, peu importe. Il lui reste une petite semaine à vivre. On mande auprès de lui un prêtre qui est son ami, le curé Rivière d'Espéraza. Et là, tout le village savait encore, parce qu'il y avait des témoins ou les descendants directs de ces témoins, que le curé Rivière aurait refusé les derniers sacrements à Sonnières et les lui aurait administrés deux jours plus tard, post-mortem. Procédure absolument rarissime. Mais alors, Gérard de Sède décrit par exemple, à peu près, je ne citais pas dans le texte, quels abîmes de noirceur Rivière aurait-il découvert en l'âme de Sonnières, aurait-il vu là un de ces murs devant lesquels la mansuétude divine elle-même se casse les ailes. Mais ça ne se pose pas comme ça. On refuse les sacrements à quiconque tient bon sur une apostasie, une hérésie. Ça, c'est un signe de piste très net qui nous remet dans l'optique d'un Sonnières ayant eu connaissance de secrets, probablement ayant trait à la vérité quant à la geste de Jésus, et éventuellement quant à la descendance de Jésus, c'est possible ces choses-là. Mais en tout cas, d'un Sonnières très croyant, mais pas très croyant dans les... Me pardonnes-tu un mot entre guillemets ? Tout à fait. Dans les momeries, fermez les guillemets, qu'on nous apprend au catéchisme. Il s'agirait donc dans la lignée davidique du Christ. Pourquoi davidique ? Parce que le Christ descend de David, bien sûr. Alors, envisager que le Christ ait pu être marié, évidemment, ça va donner des boutons à certains, et même à beaucoup. Moi, ça ne me choque pas du tout. N'a-t-il pas dit croissez et multipliez ? Pour les autres ? Mais il était un exemple tellement extraordinaire qu'il a marqué de son empreinte la terre entière. Sa destinée exceptionnelle n'en est pas amoindrie. Et cette lignée, elle existe sûrement. Un jour, peut-être, en aurons-nous la preuve. Alors, si la Bessonnière et ses amis, Gélis, Boudet, ont eu connaissance de documents extraordinaires faisant allusion à cette autre vérité, on comprend que le bon abbé Rivière appelait in articulo mortis au chevet de Sonnières pour recevoir sa confession et lui donner l'absolution, et refusé, épouvanté, parce qu'il a reçu sa confession. Et il est parti en courant. Et le restant de sa vie, cet homme qui aimait bien sourire, qui était un bon vivant, il l'a passé en une sorte de contrition. Il était bouleversé, il était hanté par cette vérité qu'il ne soupçonnait pas. Selon certains auteurs nullement délirants, Jésus-Christ aurait même survécu à la crucifixion, autrement que par la traditionnelle résurrection. Avec son épouse Myriam de Magdala, ou peut-être Maria de Béthanie, il se serait alors réfugié au Razès, permettant ainsi à sa lignée de s'y perpétuer. Rappelons-nous des indices du rébut de la Bessonnière, la tour Magdala et la villa Béthanie. Alors cette idée de la lignée davidique et de certaines précisions concernant le Christ, ça n'est pas de moi. Je l'accepte bien volontiers,
Scanfield, qui a publié ses deux ouvrages et d'autres qui n'ont pas encore été traduits en français, fait une approche sur un Christ un peu différent que celui dont on nous a parlé. Et puis là, Simon, dans cet ouvrage, nous parle du tombeau du Christ. Je crois que là, il faut mettre un point d'interrogation. On parle de la présence du tombeau du Christ. Est-ce que tes recherches t'ont porté aussi vers cette orientation ? Tout à fait. C'est-à-dire que moi, je vais revenir un peu à l'avant du problème, toujours en utilisant la cabale française, la cabale phonétique française, qui est une véritable science traditionnelle, je le dis bien. Et moi, je remarque une chose déjà, à propos du tombeau du Christ, c'est l'anagramme parfait de tombeau, c'est beau mot. Et ça veut dire que bon, c'est un rapprochement à faire avec le verbe, avec un V majuscule, dont il est parlé dans la Bible à longueur de page. Quant à la résurrection du Christ, je crois que c'est avant tout une résurrection symbolique. Ressusciter, il y a les mots ressusciter, susciter à nouveau. Ça me paraît infiniment plus important. Et par contre, il est certain aussi que ce message symbolique qui a été entreposé, déposé à Rennes-le-Château, c'est plus que certain qu'il y a un fond de réalité là-dessus. Alors mes recherches m'ont amené en effet à être sur une piste. Ceci dit, il faut avoir l'honnêteté de dire que ce n'est pas moi qui suis au maximum de la piste, à la limite plutôt de la piste. C'est une personne qui pour l'instant ne souhaite pas donner son nom. Ce chercheur anonyme, Nemo, nous l'avons rencontré. C'est lui qui nous avait indiqué la station 1 dans l'église. Il nous a confié d'autres éléments. Il nous a ainsi permis de voir le missel de l'abbé Boudet, écrit par Monseigneur Billard. Sur cette gravure représentant le calvaire du Christ, nous remarquons que l'inscription INRI est à l'envers. Y a-t-il un rapport avec le domaine de l'abbé Saunière qui contient une chose et son contraire ? Les quatre anges présents ne rappellent-ils pas les quatre anges au-dessus du bénitier ou ceux en dessous de la statue de Saint-Antoine de Padoue ? Dans une église de Limoux, nous pouvons voir ce tableau étonnant qui peut être interprété de la façon suivante. D'un côté, le Christ en croix, et de l'autre, son épouse, Marie-Madeleine, Maria de Magdala, tenant leur fils. N'oublions pas que l'église de Saunière est dédiée à Marie-Madeleine. Au milieu, un ecclésiastique, genou à terre, qui semble dire « je ne comprends pas ». Et enfin, au fond, un paysage, avec de nouveau une tour. Nous suivons toujours notre guide, qui nous amène au cimetière de Limoux. Devant le cimetière, un Christ en croix présente une disposition des doigts inhabituelle. Encore en signe de piste, le doigt de la main droite indique une direction, l'église Saint-Martin de Limoux. D'abord, on remarque la présence de nombreux symboles maçonniques. Il y a surtout ce vitrail représentant le mariage du Christ. En haut du vitrail, un agneau symbolise le Christ, l'Agnus Dei. À droite et à gauche, les agneaux symbolisent sa descendance. Cette idée de descendance est reprise dans un autre vitrail. On voit Jésus donnant une hostie à Marie-Madeleine. La signification cachée de ce geste est « je te donne un enfant ». Et l'inscription « femme, voilà notre fils » renforce cette interprétation. Revenons au vitrail du mariage du Christ. En bas de celui-ci, nous avons à droite le symbole de la chrétienté. À gauche, celui de l'autre savoir. Cette division est confirmée par les deux vitraux entourant le mariage du Christ.
Le vitrail de droite représente l'église classique. Le vitrail de gauche, celui de l'autre sabbat, représente les cathares persécutés et les juifs, les hérétiques donc aux yeux de Rome. Là aussi, nous avons deux églises. Les juifs furent nombreux à s'installer dans le Razet, dans cette région. On peut penser qu'ils furent nombreux à suivre le Christ pour venir se réfugier, justement, dans le sud de la France. Et qu'étaient-ils ces juifs, sinon les premiers chrétiens véritables? Leur présence est d'ailleurs attestée par d'immenses étoiles de David dans l'église Saint-Martin de Limoux. Ces étoiles de David, ces magasins David, nous les retrouvons dans les magnifiques vestiges de l'abbaye d'Alette. Et là, s'amorce une piste intéressante que nous allons suivre. Bien, disons que la cathédrale d'Alette, qui est vraiment terriblement en ruine, et le souvenir d'un passé très marqué par la religion ici dans la région. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la proximité à côté de l'église actuelle d'Alette-les-Bains. L'étoile de David dans une église apostolique romaine, c'est assez anachronique, pour ne pas dire bizarre. Alors on peut expliquer la chose de la façon suivante. Il y a quand même eu dans l'histoire d'Alette-les-Bains la présence de familles juives. La première et la plus connue, je dirais, c'est la famille Nostradamus, qui a donné un rejeton célèbre, Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus, qu'on a appelé le moine de Salon, non pas parce qu'il faisait des prédictions dans les salons, mais parce qu'il a habité aussi à Salon de Provence. Et la maison de Nostradamus, que l'on ne peut pas visiter, mais recèle des sculptures sur les poutres extérieures qui sont tout à fait étonnantes. À Alette-les-Bains, disons à quelques kilomètres de Rennes-le-Château, nous avons vu une vieille bâtisse. Une vieille bâtisse qui est attribuée à la famille de Nostradamus. Toi qui viens d'écrire cet ouvrage extraordinaire, Le dernier secret de Nostradamus, explique-nous un peu la corrélation qui peut exister. Mais moi je crois que ce n'est pas du tout une corrélation, c'est un vestige, car Nostradamus était un docteur. On sait qu'au moment où la Provence a été frappée par une épidémie de peste, Nostradamus s'est terriblement investi et qu'il a traversé toute cette région que tu viens de citer. Il est remonté jusqu'à Toulouse où il a soigné les pestiférés et où il obtenait des résultats très étonnants. Nostradamus est un personnage à double visage. C'était à la fois le scientifique, puisqu'il était médecin, qui a lutté contre les maladies terribles qui sévissaient à son époque, mais c'était aussi un initié qui détenait les clés d'un savoir. Et nous venons d'évoquer Rennes-le-Château, où l'église a été codée, où tout l'environnement topographique et géographique du lieu a été codé. L'abbé Boudet a eu un livre qui a été, je dirais, mis à l'index et brûlé par l'église, et ce livre s'appelait Lazare. Comment s'appelait la maison de l'abbé Béranger Saunière à Rennes-le-Château? La Villa Bethanie. Or, où se trouve le tombeau de Lazare? Eh bien, il se trouve à Béthanie, tout simplement. Alors là, je crois qu'il y a un travail à faire. J'ai fait beaucoup de recherches sur Rennes-le-Château, j'ai ramené énormément de documents, j'ai ramené des films, j'ai ramené un diaporama, comme je disais tout à l'heure. Et maintenant, moi, j'ai la certitude qu'il y a là-bas quelque chose de très intéressant. Il y a sans doute un trésor matériel, c'est vrai, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important. Et ce qui est le plus important à découvrir à Rennes-le-Château, c'est le secret de l'élixir de vie que personne n'a pensé à chercher jusqu'à ce jour. Et pourtant, il existe. Jean-Michel Thibault, qui a publié L'Ordre du Diable, dont on a vu à la télévision les 4 épisodes, je crois, nous a parlé des recherches qu'avaient effectuées les services secrets israéliens dans la région de Rennes, et qu'ils y cherchaient notamment la menorah, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches, sacré, comme tu le sais. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de services secrets qui font des fouilles discrètes, qui observent, etc.? Je pense que le Mossad et certains services de renseignement encore plus discrets que le Mossad, à l'heure actuelle, recherchent ce trésor qui a été pillé dans le temple de Salomon lorsque la ville de Jérusalem a été détruite, lorsque le temple a été détruit. Et certains pensent que ce trésor pourrait être caché dans la région de Rennes-le-Château. C'est ce qu'a fait transparaître l'auteur que tu citais tout à l'heure. Il y a aussi un vitrail de l'église de Limoux
qui offre aux yeux des visiteurs l'Arche d'Alliance. Et ça, c'est quand même peut-être quelque chose que justement les agents du Mossad étaient en train de chercher dans le secteur de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, Alette-les-Bains. L'Arche d'Alliance, qui était un formidable générateur énergétique, puisque les Lévites, qui étaient seuls habilités à les porter, interdisaient qu'on s'en approche. Et l'on disait que l'Éternel foudroierait l'imprudent qu'il toucherait. Évidemment, cet imprudent, ça s'est déjà manifesté, n'avait pas, comme les Lévites, des manteaux avec des fils d'or qui traînaient par terre, constituaient évidemment ce qu'on appelle une prise de terre. Et le malheureux qui a voulu protéger l'arche sur le point de tomber a été foudroyé. Ce n'était pas l'Éternel, c'était un phénomène physique. Et dans l'arche, il y avait l'échantillon de la manne, il y avait les tables de la loi, il y avait quantité de choses qui permettaient à Moïse, dans la tente de réunion, de communiquer avec, on nous dit l'Éternel, c'était les Elohim, à pluriel, des gens comme vous qui nous regardaient, et nous, mais qui étaient nés sous d'autres soleils. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vraisemblablement les vitraux de l'église de Limoux datent de l'époque des vitraux de l'église de Rennes-le-Château. Donc là, le triumvirat Boudet-Saunier-Gélis nous renvoie à nouveau sur des pistes. Je pense, moi, qu'ils ont laissé des jalons dans toute la région, dans toutes les églises de la région et sur d'autres lieux, toujours du secteur. Et c'est à nous de suivre, en fait, tous ces jalons, un peu comme le petit poussé qui ramasse les cailloux. Et puis, au bout, bien, ma foi, il y aura certainement la clé. Et peut-être l'Arche d'Alliance. Il est évident que Béranger Saunière, qui a eu quand même une personnalité avec un pouvoir temporel très important, était prêtre et est resté prêtre jusqu'à la fin de sa vie. Et apparemment, son église n'est pas très catholique dans sa décoration. Mais c'est un homme du spirituel. Et moi, je penche plutôt vers cette recherche de ce personnage qui est aussi proche de la mienne, à savoir... Quelle est l'origine de l'être, de l'humain, de la croyance et de la foi, de l'esprit? Et je pense que Rennes-le-Château attire tous les gens qui ont cette quête. Finalement, il s'agit bien des recherches sur l'origine de l'homme. Et le Christ n'a-t-il pas dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, de même qu'il a dit aussi, il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon Père, et non. Contrairement à certains exégètes ultra-classiques dépassés, il ne faisait pas allusion, le Christ, à d'autres tribus, pas du tout. Il faisait allusion à d'autres demeures autres que celles de la terre. Et rappelons-nous dans la précédente cassette sur Rennes-le-Château, Jean-Michel Thibault, qui va nous parler de quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a aussi, sous le couvert du ministère de la Culture, des gens qui tout officiellement cherchent et fouillent dans le coin. Et là, il y a un budget qui est assez conséquent pour ces fouilles. Lorsqu'on les interroge, ils nous disent qu'ils sont à la recherche d'un ancien manuscrit qui expliquerait l'histoire de l'humanité. L'humanité viendrait d'un croisement entre les filles des hommes et les fils des dieux. Bon, sixième verset de la Genèse. Voilà, tout à fait. Et donc là, c'est une indication vraiment terriblement importante. Donc l'humanité a été créée vraisemblablement sur une autre planète, que certains éléments ont été transplantés, réimplantés, et c'est d'ailleurs quelque chose de très curieux. Lorsqu'une personne change de région, de pays, elle se sent déracinée. Ça, c'est quand même un mot symbolique véritablement important. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est fantastique, c'est l'étymologie du mot paradis. Paradis, c'est parc à radis, parc à racines. Je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait fabuleux. Parc à racines, oui, paradis. Mais qu'est-ce que c'était? C'était le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, il y a suffisamment de descriptions dans les textes sacrés pour comprendre qu'il s'agissait de quelque chose d'extrêmement fermé. Si l'on parle de laboratoire, de base établie par les extraterrestres, les Elohim, car c'est pas autre chose, ça n'a rien à voir avec Dieu. On vous a trompé, on nous a trompé en nous faisant croire que Elohim c'était Dieu. Pas du tout, c'est un pluriel. Donc il s'agit d'extraterrestres. Béranger Saunière, bien sûr, ne savait pas que c'était des extraterrestres. Les documents codés qu'il a trouvés ne faisaient probablement pas référence à des êtres venus d'ailleurs, ou du moins pas directement. Mais c'était un ouvrage codé, la Bible. C'est un ouvrage codé. Alors,
De même qu'il y a deux églises, il y a deux savoirs. L'un au premier degré, l'autre au second degré, et c'est celui-là qui compte. Nous allons demander à Guitarade ce qu'il pense de cette chose-là. Et il va justement nous parler de savants israéliens qui, eux aussi, cherchent en dehors des sentiers battus. Ces chercheurs se sont aperçus que la Bible était un document chiffré. Chaque lettre de la Bible correspond à un nombre. Et nous avons une vieille citation en français qui dit qu'un texte ne doit pas varier d'un iota. Eh bien, chez les Hébreux, lorsqu'on traduisait un texte et qu'on faisait la moindre erreur, le texte était pris, était déchiré, car l'écriture est une écriture qui correspond à des lois mathématiques. Dans l'ancien hébreu, il n'y avait pas d'espace entre les mots. Tous les mots étaient accrochés les uns derrière les autres, c'est-à-dire pas comme chez nous où les mots sont séparés. Les chercheurs qui ont mis ces documents dans un ordinateur se sont aperçus qu'il y a un code. Et grâce à ce code, ils se sont rendus compte que les grands événements qu'a connus l'humanité jusqu'à aujourd'hui étaient inscrits dans les textes bibliques. Alors, comme nos amis israéliens sont des gens excessivement prudents, ils disent oui, nous avons décodé le passé, nous avons découvert que la révolution française était annoncée dans les textes bibliques, que l'affaire Dreyfus était annoncée, que l'assassinat du président Sadat était annoncé. Mais pour le futur, alors il n'y a rien d'écrit. Et moi, je suis persuadé que nos amis israéliens ont découvert les clés du futur, mais que pour des raisons philosophiques et pour des raisons de sagesse, ces clés ne nous sont pas livrées et que le futur ne doit pas être dévoilé. Le codage, on le trouve dans l'Ancien Testament, comme nous le prouvent les chercheurs juifs aujourd'hui, mais comme ils disent, ce codage se retrouve également dans le Nouveau Testament et notamment dans les textes grecs. Et ceci, c'est quelque chose de formel. Et quand on se promène tout autour de Rennes-le-Château, on s'aperçoit que chaque lieu, la toponymie, le nom attribué à chaque lieu, est quelque chose d'excessivement important. Alors c'est un jeu de pistes que nous avons. Moi, je crois que Béranger Saunière n'a pas été envoyé en carcer duro à Rennes-le-Château. Il est parti missionner pour véritablement faire des recherches dans cette église. Mais là, il a fait un travail énorme. Et on s'aperçoit que lorsque Béranger Saunière monte pour la première fois à Paris, il y monte avec la bénédiction de l'évêque de Toulouse. Et sur les recommandations de celui-ci, il rencontre les plus grands chercheurs de son époque. Et là, Béranger Saunière est missionné par l'église, moi je pense. Plus tard, les hommes ayant changé, l'évêque de Toulouse étant décédé et remplacé par un de ses confrères, Béranger Saunière tombe en disgrâce parce que le secret qui était partagé entre les deux hommes a totalement été effacé de la mémoire collective. L'affaire de Rennes-le-Château est une émergence de la lutte, entre une lutte âpre, entre des sociétés secrètes, l'une ou les unes souhaitant transmettre un autre savoir, même en le voilant au passage, et d'autres cherchant au contraire à l'occulter. Saunière s'est trouvé au milieu de cette conflagration qui ne fait pas toujours des étincelles, mais que l'on retrouve même à travers les millénaires. Oui, là on tombe encore sur un coup d'histoire d'espionnage, de contre-espionnage. Tu évoques souvent dans les histoires des ibis, des petits gris, l'organisation internationale, voire même pourquoi pas intergalactique, appelée MJ-12, Majestic 12. Et je dirais qu'à l'époque des prêtres Boudet, Gélis, Saunière, il y avait des gens qui étaient chargés de faire un même travail de pression et d'élimination qui a permis évidemment de brouiller les pistes et d'éliminer les principaux fils conducteurs d'une histoire qui, là, je répète, concerne l'humanité dans son entier. À une certaine époque, se sentant en confiance, l'abbé Saunière, avec l'aide de Gélis et Boudet, des ecclésiastiques comme lui, commence à afficher ce nouveau savoir dans la région, d'où les nombreux vitraux, tableaux et fresques. Puis interviennent les forces noires, chargées d'étouffer la vérité. Aujourd'hui encore, on s'ingénie à faire disparaître les indices laissés par Saunière. Dans l'église de Limoux, par exemple, André Lécossois nous a montré des fresques effacées ou dégradées. L'église Marie-Madeleine de Rennes est en ruine, son clocher est fendu. Un véritable héritage de connaissances est en danger. Puisse-t-il éclater au grand jour avant de sombrer dans l'oubli ? Ce qui est fascinant dans l'affaire de Rennes-le-Château,
c'est qu'il y a en permanence cette opposition des forces des ténèbres et des forces de lumière qui s'entremêlent, qui se mélangent de façon inextricable pour essayer de nous cacher les origines de l'humanité, car ça gêne beaucoup de monde. Alors, deux églises, deux traditions, deux types de savoir, et s'il y avait deux abbés saunières? Bien. Vous avez un abbé saunière qui habitait Villa Bethanie, qui s'est fait faire d'ailleurs sa photo, celle de Marie Desnarnaud, qui toutes les deux trônaient dans le salon. Vous aviez cet abbé-là, et il est paru d'un seul coup dans tous les livres qui parle de l'abbé Saunière, cette photo-là. Ça n'est pas le même homme. Je vous avais dit, j'ai été documentaliste, je me suis intéressé à cette histoire-là. J'ai envoyé les photos au Quai de Gesvres, au service d'anthropométrie. On m'a au système pileux, au système des eaux et tout ça, ce n'est pas le même, ce n'est pas du tout le même personnage. Et je me suis retrouvé par hasard avec la photo de quelqu'un, prêtre abbé Saunière, qui était ce monsieur. Il a un air de famille, bien sûr. Mais... Voilà. Et lorsque j'ai étudié cette photo et que je l'ai renvoyée au Quai de Gesvres, demandant entre lequel de ces deux messieurs ce monsieur pouvait correspondre, on m'a dit, bien entendu, c'est celui-là. Système pile. Or, retournant la photo, je vois Alfred Saunière, 1884. Ce qui fait que vous avez, depuis environ, je ne sais pas, une trentaine d'années, la photo de l'abbé Béranger Saunière, qui porte tout simplement l'empreinte du visage de son frère. L'énigme ou les énigmes subsistent? Elles subsistent totalement, parce que si jamais vous regardez bien, ce monsieur donc aurait été à Paris, monsieur Saunière, qu'il soit Béranger ou Alfred. C'est ça. Il aurait donc connu Emma Calvé, ce que tout le monde demande, il aurait connu Jules Bois, il aurait connu les Rose-Croix, et lorsque nous approfondissons plus en intériorisant un peu plus cette histoire d'église extérieure, nous nous apercevons qu'elle a été construite. En regardant les papiers de tous les gens qui ont œuvré à cette église, tous, du moindre manœuvre, jusqu'à l'architecte, en passant par Jules Bois, en passant par les inspirateurs, en passant par Élie Bott, qui était l'entrepreneur, toute cette église a été construite par tous les gens dont a fait partie Alfred Saunière, qui était précepteur du fils du grand maître de la loge Rose-Croix de Toulouse catholique, et qui lui-même avait donc, sait-on comment, amené sur place tous les maîtres d'œuvre, à quelque niveau qu'ils soient, du travail de l'abbé Saunière. Alain Ferral, cette réplique de l'abbé Saunière, qui est son frère, c'est Alfred. Est-ce qu'on a quelques précisions sur sa vie? Qu'est-il devenu? Qu'a-t-il fait? Quel rôle a-t-il joué? On en a peu, mais on en a une. On a une précision qu'a donnée d'ailleurs son frère, qui s'appelle Béranger Saunière, qui, lorsqu'il a eu tous les problèmes que nous pouvons connaître au sujet du trésor qu'il aurait trouvé ou bien des messes qu'il aurait falsifiées. Enfin, je pense que tout ça, d'ailleurs, il y a eu peu d'enquêtes véritables qui auraient été faites à ce niveau-là, mais l'abbé Saunière l'avait très bien résolu. Et un jour, il a écrit une lettre à son évêque en disant « Et tout ça, serait-il la faute de mon frère mort trop tôt ?» Le frère de l'abbé Saunière est mort en 1905. Béranger Saunière a eu d'énormes problèmes d'argent dans les deux années qui ont suivi, et après s'est retrouvé sans un sou à Rennes-le-Château. L'affaire de Rennes-le-Château, c'est un peu comme ces matryoshkas russes, ces poupées russes, qui s'imbriquent les unes dans les autres, pour nous amener à des niveaux de compréhension différents. Alors, c'est pas facile de rechercher la vérité.
Surtout lorsqu'il y a des entraves. Et par exemple, l'un de nos informateurs, je ne dis pas Nemo, l'un de nos informateurs qui nous promettent d'autres révélations, a reçu des menaces de mort, et ce n'était pas une plaisanterie, des menaces de mort émanant d'un haut prélat. Alors, je m'adresse à lui. Vous, qui regarderez cette cassette, je vous rappelle que nous, les chercheurs marginaux, qui ne sont pas à côté mais qui sont en avance, nous sommes un peu comme le chardon qui s'y frotte, s'y pique. Alors ces menaces, ces intimidations, qui ne nous impressionnent pas, sont le fruit d'un véritable crime contre l'esprit, une sorte de terrorisme intellectuel. Alors là, je crois qu'il faut se préparer. L'avenir ne sera pas nécessairement celui auquel nous pensons. Vous y êtes préparé pour avoir vu ces cassettes. Néanmoins, je vous rappelle ce qu'avait dit mon vieil ami Aimé Michel, mort en 1993, à propos du public berné par les vues officielles, berné par la science officielle, berné par d'authentiques canailles qui entretiennent l'obscurantisme. C'était rien. Le jour où la vérité va éclater sur l'authenticité de nos visiteurs en tant qu'êtres venus d'ailleurs et qui ne sont pas étrangers à nos origines. Savez-vous ce que cela va déclencher chez les humains? Aimé Michel l'a dit, un véritable Hiroshima psychique. Alors vous, amis, préparez-vous quand même et faites le savoir.